quel est ton problème? Ça fait combien de temps que tu me dis que tu es arrivé? Hein? C'est le nom de roi qui t'attend ici. Désolée. Je suis désolée, mon prince. Folle! N'as-tu pas des yeux? Désolée, je n'avais pas vu. Désolée. Écoute, je te donne 10 minutes. Si je ne te vois pas, hein, tu me sentiras. Tu m'entends? Thank you.
Amaka. Raccompagne-moi à la maison. Pourquoi tu as fait ça? Mère, je t'avais déjà dit que ce n'était pas mon intention de blesser Amaka. D'ailleurs, elle devrait regarder dans la direction où elle allait. C'est pas entièrement de ma faute. Maman, ça c'est vraiment vrai. Je veux dire, tout le monde dans ce palais connaît comment est-ce qu'Amaka peut faire partie de ce genre de choses. Mon mari ne peut pas être blâmé pour ce qui s'est passé. En fait, ce n'est pas de sa faute. Exactement. Exactement. Au fait, pourquoi parlons-nous de la fille d'un vaurien? Quelqu'un qui ne peut contribuer en rien à l'avancement de ce palais. Vraiment? Tu te permets de lever ta main sur une innocente fille juste parce qu'elle n'a personne pour prendre sa défense. Arenze, tu es méchant et hypocrite. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment peux-tu être sans cœur et... Arrête-toi là! Comment oses-tu? Non, dis-moi, comment oses-tu ouvrir ta sale bouche qui n'a pas de sens et parler à mon mari de la sorte en ma présence? Tu as des manières ou pas? N'ose plus jamais lui parler de la sorte. Assez! Nous venons de passer une longue journée. Nena, veux-tu m'apporter un verre d'eau? N'importe quoi. Salut. Dieu merci, je t'ai rencontré. Bon après-midi, Basile. Oui, bon après-midi. J'étais en train de venir chez vous. On m'a appris ce qui est arrivé à Amaka. L'as-tu déjà vu? Et j'étais avec elle tous ces jours. Basile, je te jure, Amaka est en train de souffrir. Hein? Je lui avais averti, lui interdisant de ne pas aller travailler au palais. Vous voyez maintenant ce qui lui est arrivé? Le mieux à faire maintenant, c'est de la réconforter. Je peux comprendre ce qu'elle ressent maintenant. Je l'amènerai ce soir à l'hôpital. Ce soir, tu dis? Ok, fais ceci. Avant de partir, fais-moi signe. Comme ça, on fera les chemins ensemble. Je dois être là. Ça m'a fait très mal. Ok, bien, merci. Hein? D'accord. Ok. Bonne journée. Prends soin de toi. Hé, hey, frérot, comment ça va? Thank you.
Qu'est-ce que tu nettoies? Dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nettoies? Vas-y, tu n'as pas d'oreille? Ah non, je sais que tu étais aveugle. N'arrives-tu pas à voir tout ce qu'il y a dans cette maison? Je ne les vois pas. Désolée, je voulais d'abord commencer par nettoyer ici et puis... Oh, tu dois la fermer lorsque je parle. Comment oses-tu? C'est comme si tu ne comprends pas ce que je fais ici. Alors va te trouver un lieu pour les aveugles. Espèce d'une folle aveugle. Idiote. Pas de sens. Chercher de l'eau pour moi, comme ça tu vas avaler ça avec de l'eau, tu vas boire avec de l'eau. Attends, maman, de l'eau est là, ouvre la bouche, tu vas boire les médicaments. Maman, regarde, maman, de l'eau, maman. Maman, ne fais pas ça, maman. Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît, prends de l'eau, prends le médicament. Maman. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu n'es tout. Non, maman, ne fais pas ça, s'il te plaît. Maman, réveille-toi, maman, réveille-toi. Parler de ça, tu te rappelles? Juste regarde. Wow, il revient à Nigeria cette semaine. Oh, c'est vrai? Oh, ok. N'est-ce pas qu'il est beau? Tu vas partir là-bas? Oh mon Dieu! Très bientôt, on sera ensemble. Oh mon Dieu! Arrête. Je vais rentrer dans la maison de mes parents aujourd'hui. Je vous demande de me couvrir pendant mon absence. Amaka. Pourquoi veux-tu aller chez ton père? J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Je vais aller profiter de nettoyer toute la maison. Je suis sûre que maintenant, là, tout le monde est en train de penser à moi. As-tu parlé à Sa Majesté à propos? Non, je ne vais pas lui dire. Qu'elle reste comme ça jusqu'à ce que je vais revenir. Je ne vais pas lui informer. Tu ne l'as pas dit à Sa Majesté? Pourquoi? Hein? Alors que veux-tu qu'on fasse? Tu veux nous foutre dans le problème? C'est pour ce genre de choses que vous êtes là, vous, mes amis. Je vous en supplie à accomplir ma tâche. Bien. Si tu veux aller chez ton père, je ne vais pas te l'interdire. Mais tu dois savoir que tu es seule. Parce que je ne vais pas mentir à Sa Majesté. Donc, si tu veux aller chez ton père, t'es libre. Ah, il faut m'en... Ah! Ma chère, t'inquiète, on va te couvrir, ok? Merci. Mais, s'il te plaît, ne traîne pas là-bas. Je t'en prie, s'il te plaît, ok? Je ne veux pas prendre beaucoup de temps, t'inquiète. Merci beaucoup, hein? Ok, bye. Bon Samaritain, on va te couvrir. Mais si Sa Majesté me posait la question, j'ouvrirai ma bouche. Et on verra ce qui va se passer. On va découvrir mon œil.
Amaka, je suis allé au palais pour te chercher et on m'a dit que tu es rentré à la maison. Ma vie est arrivée soudainement à sa fin. Mes chagrins m'ont rendu aveugle. Dieu, où es-tu? Ça va. Arrête de pleurer, ma fille. Tout ira très bien. Hein? Ça va. C'est toi. Amaka. C'est toi, grand frère. Amaka, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est toi. Attends, qu'est-ce qui ne va pas avec ton œil? Hein? Oh non. Chinedu, sois le bienvenu. Oh non, qu'est-il arrivé à l'œil de ma sœur? Vous avez promis de prendre soin de ma soeur. Qu'est-ce que je vois là? Hein? Amaka, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, parle-moi tout de suite. Que s'est-il arrivé? Qui t'a fait ça? Le prince Arenze. Hein? Dis-moi, pourquoi ces fleurs sont comme ça? Je te parle, tu as toujours ton chapeau sur la tête. Es-tu stupide? Je suis désolé, mon prince. Pourquoi ces fleurs ne sont pas encore taillées? N'es-tu pas le chef de garde ici? Bien sûr que c'est moi. Arrêtez. Qu'est-ce que ma sœur t'a fait pour que tu la blesses à l'œil? Quelle surprise de t'avoir ici. Quand est-ce que tu es revenu? Une fois encore, je te demande. Qu'est-ce que ma sœur t'a fait pour que tu la blesses à l'œil? Il est très clair que tu as perdu ton sens de l'humour d'où que tu viennes. Je vais te rafraîchir la mémoire. Je suis le prince Arinzi, l'héritier du trône d'Isiala. Je ne suis pas redevable au commun des mortels comme toi. Ne me pose pas à bout, Arinze. Tu m'as écouté? Ne me pose pas à bout. Pour la dernière fois. Qu'est-ce que ma sœur t'a fait pour que tu la blesses à l'œil? Comment oses-tu, Chinedu? Comment oses-tu hausser la voix sur mon fils? L'héritier du trône des Asiala. Le roi en devenir. Comment oses-tu? Priez pour que ma sœur retrouve sa pleine vue. Sinon... Sinon quoi? Sinon quoi? Hein? Je suis bon marché, pantalon bon marché, même la voiture bon marché. Mère, pourquoi aime-t-il les choses moins chères? C'est parce qu'il est lui-même moins cher. Ouais, t'as raison. Il est pauvre. Pourquoi tu admires sa voiture? Pauvre gars. Mmh.
Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Le boss est là. Rien du tout. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi vous n'êtes pas venu travailler tout ce jour? Il y a une compagnie nigérienne qui vient de me contacter il n'y a pas longtemps concernant un contrat. Est-ce qu'il est en train de suivre le... Est-ce que tu ne reçois pas ton salaire? Oui, mais fais ton travail. Donne-moi les contrats entre la compagnie et Johnson. Je vais y jeter un œil. Ma belle, je sais combien tu souffres. Je suis désolée. Je t'en prie, arrête de pleurer. Ça va aller, ok? Et où se trouve ton frère Chinedu? Il n'est pas encore revenu. La fatigue. Bon après-midi. Chema, comment vas-tu? Ravi de te voir. Merci. Ouais. Et comment tu vas? Voici... mon ami, docteur Eze. Oh, bienvenue. Ouais, docteur, ma soeur Amaka. Ravi de vous rencontrer, Amaka. Bienvenue, docteur. Merci. Docteur Eze est ophtalmologue. C'est pourquoi je le fais venir, afin qu'il examine ton œil. Docteur, prends place. Alors, dites-moi. Vous avez toujours mal? Oui, j'ai très mal. Expliquez-moi un peu. J'ai toujours des douleurs. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Ça me dérange tellement beaucoup. Oh, désolé. Alors, dites-moi, vous avez des produits que vous continuez à prendre? Et malgré ça, la douleur continue. Mon Dieu. Ok, relax, relax. Edou, il faudrait que tu l'amènes à mon hôpital demain pour des examens appropriés. D'accord. Amaka, relax, ok? Tout ira bien. Je vous promets, je ferai de tout mon mieux. Tu verras encore avec ton nez. Bien. Ok. Merci. Je vous en prie. Chema, ravi de te revoir. Moi de même. Ça fait un bout de temps. Comment ça va? Ça va. Amaka, l'as-tu offert quelque chose à boire? Non, pas encore. Ah, t'inquiète, je vais m'en charger. Docteur, permets-moi de lui apporter à boire. J'y arrive. Thank you.
Après des examens appropriés, j'ai découvert qu'il y a un détachement entre l'apport de la rétine au cerveau. Et ça s'appelle médicalement décollement rétinien ou encore décollement de rétine. Tu vois, la rétine est composée de cellules. Et ce sont ces cellules qui transportent les images vers le cerveau. Okay. Et c'est ça que nous appelons la vision. Et une fois qu'il y a détachement entre cet apport, quelqu'un perd sa vue. Je vois. Et donc, c'est ça notre problème. Il y a une séparation entre l'apport, je veux dire le message, les images que la rétine envoie au cerveau. Cela affecte la vue. Mais cela peut être corrigé de toute façon. Ça peut être corrigé, mais ça demande beaucoup d'argent. Nous avons besoin d'un chirurgien spécialiste, spécialiste en chirurgie oculaire, pour corriger le problème. Alors, amène le spécialiste. Tu connais tous les chirurgiens oculaires. Amène celui qui peut mieux faire le travail. Ça doit être un expatrié. Ok. Et un budget de 6 millions de naira. Écoute, l'argent n'est pas mon problème. Et tu sais ça déjà. Hein? Peu importe ce que ça va coûter. Donc tu dis 6 millions de naira pour faire venir le chirurgien dans le pays. C'est ça? Oh oui. Donc si je te donne 12 millions de naira, tu peux faire venir deux chirurgiens. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais te donner 12 millions de naira. Fais venir deux chirurgiens. Fais l'opération juste. Guéris la vue de ma soeur. Il faut qu'elle retrouve la pleine vue. C'est tout ce que je demande. Oui. D'accord. Envoie-moi le numéro de ton compte bancaire. C'est tout ce que je veux savoir. Très bien. Bonjour, jeune fille. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis le professeur Baman, je viens de la Nonne. Je suis là pour m'occuper de toi. Et je suis sûr que dans quelques heures, tu vas reprendre complètement ta vue. Oh, merci. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Merci. Docteur Rezé, prépare-la pour l'opération. Très bien, monsieur. Tu sais quoi, Jess? Je suis impatiente d'attendre le jour où on va me couronner la reine de ce royaume. Ton rêve va enfin se réaliser. Mm-hmm. Je suis vraiment contente. Merci, ma chère. Et attends, as-tu déjà pensé au tissu que tu achèteras? Oui, j'étais en train de réfléchir par rapport à un tissu de couleur bleue. Mm-hmm. Nous devons vraiment le chercher. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Je crois qu'on doit se concentrer dans notre discussion et laisser le roi tranquille. Mm-hmm. Tu sais, tu dois paraître belle pour les paparazzi. Et demande-moi quoi? On se prépare aussi. La reine m'a dit qu'il y aura certainement de grandes personnes, tu vois, pour nous honorer. Alors, je crois que ça sera vraiment une journée très spéciale. Ça sera très bien. C'est merveilleux. Je ferai tout pour être à la hauteur de cette cérémonie royale. Je veux dire, bien habillée. Excuse-moi. S'il te plaît, n'apprécie pas trop mon jour. T'inquiète, je ne vais pas te voler la vedette. Ah, ma chérie, je te connais très bien. Thank you.
Nous avons fait de notre mieux. Mais c'est malheureux. Elle devra juste utiliser un œil pour le moment. Que dis-tu, docteur? Hein? Que dis-tu? Tu m'as promis. Tu m'as donné ta parole que ma soeur retrouvera la pleine vue. Que dis-tu? Oui, oui, je l'ai fait. Mais je suis désolé, Chinedu. J'aurais souhaité qu'il y ait quelque chose que je puisse faire. Ça va, ça va. Je suis venu te dire que nous avons tout arrangé pour ton couronnement. Je veux dire, toutes les préparations. Ah bon? Je vais t'arracher l'œil de tes yeux. Je vais te l'enlever. Votre Majesté! Votre Majesté! Arrête là-bas, idiot! Et toi, suis-le, et vous autres, de l'autre côté. Vous êtes tous des imbéciles. Je ne demande pas d'enlever les deux. Mais pourquoi tu fais? Je pense que tu as le pouvoir. Arrête, non, et on verra qui vient. Arrête-le et arrache-le son œil gauche. Arrête-le. Il a fui, oh. Rappelez-vous, je n'ai pas besoin de son œil droit. Arrache-le son œil gauche. Où est-il? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il a vu comment? Où est-il? Arrêtez! Arrêtez! Toi, ce lâche, tu peux courir, mais tu ne m'échapperas pas. Où que tu sois, écoute-moi, j'aurai ton œil. Peux-tu m'attendre? J'aurai ton œil. Sache que ton œil gauche m'appartient. Avec des fusils pour harasser ma famille. Chinedu, à cause de d'un œil de ta stupide, ta sœur stupide là, t'as oublié qui tu es. Et même plus, t'as oublié que je suis le prince, l'héritier de la couronne du trône du royaume de Isiala. Non, tu vas le payer. Chinedu, tu dois le payer. Non, non, Chinedu. Tu le paieras. Tu vas le payer. Mon homme, s'il te plaît. Mon cher mari. Ça suffit. C'était pas de notre désir que les choses se passent ainsi. Je crois qu'il est temps que nous utilisions l'autorité. Non, ma reine, non. Je vais m'en occuper moi-même. Il y a quelqu'un devant le portail. Il a dit qu'il veut vous voir. Qui est-il? Quelle est son apparence? Il est lancé et sombre.
Nena, comment tu vas? Je veux bien. Désolée, on se connaît? Je passe un peu du temps aujourd'hui avec toi. Comment? Juste regarde derrière toi. Calme-toi, calme-toi. Allons-y. Désolée, je n'ai rien fait et je ne sais absolument rien. Je t'en prie, aide-moi. Sauve-moi, s'il te plaît, je t'en prie. Sauve-moi. Pitié. Je ne sais rien. Chinedu. Je suis désolée. Chinedu. Je n'ai rien fait et je ne sais absolument rien. Je t'en prie, sauve-moi. Sauve-moi, je t'en prie. Arrêtez. Attends, Annena, attends, j'arrive. Maman, là, elle va te parler. Sauve-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Il manque une paix. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Il manque une paix, s'il te plaît. Sauve-moi. Ok. Je te donne 3 heures du temps pour que tu arrives chez moi à la maison. Ça, c'est Chinedu. Ton œil gauche. Je dis bien, ton œil gauche. Tu m'as entendu? Je pense que tu m'as bien compris. Si je ne te vois pas ici, dans 3 heures du temps, ta sœur perdra ses yeux. Écoute-moi bien, toi, Chinedu. Chinedu, Chinedu, s'il te plaît. Chinedu, je t'en prie. Relâchez-moi, s'il vous plaît, je n'ai rien fait. Je ne sais rien. Je suis innocente. Chinedu, reviens, s'il te plaît. Pitié, je n'ai rien fait. Je suis innocente. Pitié. C'est Arès, ce n'est pas moi. Je n'y suis pour rien, je suis innocente. Je suis la seule. Reviens ici. Fils, tu dois te calmer. Nous devons d'abord monter une stratégie pour savoir comment nous allons faire face à ces problèmes, ok? Relax. Chinedu, je t'en prie, s'il te plaît. Je lui ai averti. Ne me fais pas ça, pitié. Pitié, Chinedu. Désolé, Chinedu, désolé. Ne me fais pas ça. Je suis dans un pitié. Arrête, s'il te plaît. Pitié, ne me fais pas ça. Pitié. Pitié, Chinedu. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah! S'il te plaît. Mon Dieu, s'il te plaît, ne le fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît, Chinedu. Elle était gentille envers moi. Ne crisse pas son œil, s'il te plaît, je te prie. Ne fais pas ça. Pardon, je te supplie, pardon. Ne fais pas ça, s'il te plaît, mon frère. Ne crisse pas l'œil. Ne fais pas ça. S'il te plaît, pitié. Elle a toujours été gentille envers moi, s'il te plaît. Elle a cessé de me défendre. Ne crisse pas son œil, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je te supplie, pardon, ne te laisse pas animer par l'esprit de vengeance. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je te prie. S'il te plaît, mon frère, si tu m'aimes réellement, ne fais pas ça. Épargne-lui, s'il te plaît. Pardon, je te supplie. S'il te plaît. S'il te plaît, je te demande pardon.
plaît. Ne te laisse pas faire. Attachez-la. S'il te plaît. Désolé mon prince, désolé. Tu me vois? Je veux te voir. Oui, je te vois. Chinedu, je t'ai connu depuis ton enfance. Mais je n'ai jamais su que tu allais être non raisonnable avec tes actes. Ton père et moi étions très proches quand il était en vie. Et il était connu sous sa gentillesse et le fait qu'il a toujours amené la paix. Alors pourquoi dois-tu engager un combat avec le palais? Dis-moi. Oh non. Je ne suis pas allé au palais pour me battre. Je suis allé là-bas pour arracher l'œil d'Arinze, c'est tout. Un œil, c'est ce qui m'a conduit là-bas. Vous avez vu ce qu'il a fait à ma sœur. À cause d'Arinze, ma sœur est devenue bonne. Donc, je veux attraper Arinze et lui arracher un œil. C'est tout. Comme ça, il vivra le reste de sa vie avec un œil. Et quand j'en aurai fini avec ça, je prendrai ce qui m'appartient. Tel que... le trône du royaume d'ici à là. Mon fils, tu sais ce qui m'importe en ce moment. Ma santé, c'est ça mon problème. D'accord? Ok. Oh non. Mm-hmm. DJ, je vous salue tous. Merci. Nduka. Oh non. Comment tu vas? Je tiens le coup. Comment était la réunion? La réunion s'est bien passée. Tel que tu le constates, nous venons de Imobi. Et les dieux ont confirmé que c'est toi le prochain roi du royaume d'Isiala. Ok. Et que la volonté des dieux soit faite. C'est ça déjà la volonté de Dieu, c'est ça leur volonté. Odoka, comme tu le vois, voici les cinq représentants des cinq clans dans le royaume de Isiala. Entendu ce que tu as dit? Ouais. Et au fur et à mesure, nous viendrons te tenir au courant de toutes les préparations. D'accord, d'accord. Nous t'avons entendu.
Ça va. Hein? Tout ira bien. Il y a un sujet très important que je vais discuter avec toi. Oh, dans ce cas, je me déplace pour ne pas vous déranger. Akodo, s'il te plaît, assieds-toi. Je veux que tu écoutes et écoutes attentivement. Oui. Le Uno et l'Indice de notre royaume sont venus chez moi il y a 2 jours de cela. Pour me dire que les dieux m'ont choisi d'être le roi, le nouveau roi. Très bonne nouvelle. Hey, félicitations, monsieur. Mais il y a plus que cela. Philippe. Mon frère. Tu as été le plus proche de moi depuis notre enfance. Tu connais mon état de santé. Et je ne voudrais pas décevoir le peuple d'ici à là. Regarde mon frère, tu n'as même pas à t'inquiéter. Tu as tout mon soutien. Je te soutiendrai. Je commencerai même à prier pour toi. Philippe, je veux que tu sois le roi. Moi, roi? Oui. Ah, ça c'est bien. Bien, j'accepte. Et je te dis merci. Merci. Et laisse-moi te promettre que je ne vais pas te décevoir. Au cas où il y a un problème, un besoin dans ta famille, juste appelle-moi. Et je ferai tout ce que je peux pour aider. Merci. Et je serai une bonne mère pour tes enfants. Je sais. Tu l'as été toujours. Tu l'as été toujours. Oui. Ah oui. Et en mon cas, je suis tranquille maintenant. C'est bon, mon frère. Naï, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu peux prendre une telle décision sans pour autant informer à ta femme? Pourquoi tu as fait passer le trône à côté? Mère Amaka, tu connais mon état de santé. Et nous n'avons pas la capacité financière de gérer ceci. Ne vois-tu pas? Mon frère a tout ce dont ça demande. Et par ailleurs, la royauté reste toujours dans notre famille. Donc, tu n'as rien à craindre. Doc, arrête de rêver. Ouvre tes yeux. Ne comprends-tu pas que tu es en train de faire passer toute une fortune pour toi? Un droit qui te revient. Mon frère a promis d'aider ma famille comme il l'a toujours fait. Tu es trop mou. Assez. Assez, madame. J'ai pris ma décision. Point final. À cause de mon état de santé, que tu sais. Et aussi, notre capacité financière. Je ne peux pas être cette personne
qui peut devenir le Igwe en ce moment. Pour cette raison, j'ai donné le titre à mon frère, qui est bien assis financièrement, en ce moment et en bon état. S'il te plaît, respecte ma décision. Après tout, la royauté reste toujours dans notre famille. La soupe qui est encore chaude se mange lentement pour que ça ne puisse pas brûler la main. Maintenant que tu l'as dit, nous devons consulter les dieux et voir ce qu'ils diront. Merci, Onoro. Je dois vous laisser. Les yeux des dieux. Nous sommes venus te consulter par rapport au sujet en rapport avec le leadership de notre royaume. Ici, Alain est en train de subir une véritable controverse. Les dieux ont dit, il est temps que cela soit libéré. L'œil des dieux, peux-tu nous clarifier davantage sur ce message? Odukudu, ikale kale. Les dieux ont choisi l'un contre l'autre. C'est lui qui donne, reçoit. C'est lui qui a hérité l'amour de son père. Les dieux ont choisi. Le trône rentre dans la famille de Udoka. Anciens. Ah,
Oh, vous les gars, vous avez l'air très beau. Vous savez que mon intronisation est proche. Ouais, je ne voudrais pas que vous portiez ces chaussures. Elles sont démodées. Je vous achèterai de nouvelles chaussures de l'Italie pour être plus précis. Et puis, je penserai au changement de ces costumes que vous portez. Hein? Donc, ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Hein? Mon prince, quelque chose s'est passé. Des choses vont certainement surgir. Nous sommes dans un grand royaume. De grands cœurs, beaucoup d'argent. Dites simplement vos prix. J'ordonnerai à mes garçons. Ils apporteront l'argent à vos portes. C'est aussi simple que ça. Hein? Mon prince, calmez-vous. Il n'est pas question d'argent ici. Juste, écoutez Ono. Avant que ton père ne soit roi, le leadership de ce royaume était dans la famille de Udoka. Mais il avait choisi ton père pour être roi. Et maintenant qu'il est décédé, traditionnellement, le leadership doit encore retourner dans la famille de Udoka. Nous avons décidé de consulter les dieux. Et ils nous ont confirmé que tu n'es pas le prochain roi. Tais-toi! Conspiration. Conspiration. Donc vous vous êtes comploté contre moi. C'est ce que vous êtes tous venus ici pour me dire. Mais... Cinq, quatre, trois, deux. Mon prince, je vous apporte votre jus. Merci pour la boisson. Maintenant, va-t'en. Va-t'en d'ici. Oh non. Tu me sentiras. Ne vous pressez pas, oh non. Ne vous pressez pas. Onoo, je vois que tu paniques en voyant des visiteurs dans ta propre maison. Qu'est-ce que nous t'avons fait, Onoo? Pourquoi as-tu choisi de vendre le royaume d'ici à là? Pourquoi? Onoo, pourquoi tu as choisi de trahir ton ami qui est mon mari en donnant ce qui revient légalement à son fils à une autre personne? Je n'ai fait rien de tel. Je ne peux tout de même pas vendre ma conscience à cause du trône. Après tout, qu'est-ce que je vais y gagner? Onoo, laisse-moi te rappeler les choses que tu es tenu de gagner en tant que l'homme droit du roi. Des propriétés foncières, de l'argent et beaucoup plus. Donc ne te tiens pas devant moi en me demandant ce que tu bénéficierais. Sache que je suis venu te faire savoir que mon fils,
ne sera jamais mise à côté à cause de Tchinedu. Jamais pendant que je suis en vie. Votre Majesté, en fait, personne ne peut aller à la rivière tester sa profondeur avec ses deux pieds. Ça, c'est un arrangement entre deux frères qui doit être respecté. Assez! Assez de cette absurdité, Ono. T'as la chance que j'ai encore un peu de respect en moi. Sinon, j'allais raser le reste des cheveux blancs sur ta tête. N'importe quoi. Je suis très certain que Tchinedu aurait été ici et t'aurait offert un certain montant d'argent. Dis-moi, combien et je vais te le doubler. Écoute, mon prince. Aucune intimidation ni d'embarras d'aucune sorte ne pourra faire changer la décision des dieux. Tchinedu sera couronné roi. Non, pendant que tu vis encore. Jamais pendant que tu vis. Mon fils doit être le prochain Igwe. Peu importe la conspiration. Allons-y, fils. Position. Laisse-le partir où il meurt. Aïe! Jette ça. Attends. Oh non. Soyez tous les bienvenus dans cette réunion très importante où nous allons délibérer sur le couronnement de notre prochain vrai Igwe. Oh non, tu as très bien parlé. Je suis content que Tchinedu est sur le point d'être couronné. Personne ne souhaite qu'un homme arrogant devienne roi. Pas du tout, pas du tout. T'as raison. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour les traditions et coutumes de notre royaume. Il ne va jamais nous diriger. Jamais, impossible. T'as bien parlé. Hein? Voilà. T'inquiète pas, avant que tu ne saches, je serai de retour. Je ne resterai pas trop longtemps. Si tu te sens nuise, va te promener. Appelle l'un de mes chauffeurs de t'accompagner. Je vais aller nulle part. Je reste ici d'attendre. Ok, t'inquiète pas. Tu es bien habillé. Merci.
Boss, Onowu est là pour te voir. Ah, Onowu. Oui, boss. Ok, laisse-le entrer. D'accord. Chinedu, Chinedu, allons aimer. Allons aimer quoi? Le mal est arrivé vraiment. Mais ça veut dire quoi encore? Que s'est-il passé? Nous étions dans une réunion des préparatifs du couronnement. Soudainement, deux garçons ont débarqué et ont commencé à tirer en l'air. Et ils ont réussi à disperser tout le monde. D'ailleurs, on est chanceux d'être encore en vie. Arinze. 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 Au moins, avec ça, Onowu aura sa leçon, lui et tout son conseil. Ma fille, tu sais, en plein combat, il faut attaquer ton opposant directement. Et c'est comme ça que les gens n'oseront plus vous approcher et toucher. Je ne peux pas vraiment y croire. Chinedu veut devenir roi. Au lieu qu'il cherche même à organiser un business pour soi-même, il veut voler la royauté à mon mari. Qui est cette personne qui dit qu'il est revenu avec force? Oublie ces palabres de gras-gras. Nous connaissons bien toutes ces choses. Maman, on doit apprendre à Chinedu de connaître la différence entre le roi en devenir. Je veux soutenir mon mari en tout et pour tout. Pour ça, je te fais confiance. Je suis certaine que tu ne resteras pas là et croiser les bras, voir une autre personne prendre ta position de la prochaine reine de ce royaume. Jamais, maman. Maman, j'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce que mon mari ne peut pas se proclamer lui-même roi? Comme ça, il va nous épargner de tous ces stress, tu vois un peu? Ça risquera de gâcher tous nos plans. D'ailleurs, maintenant, il faut patienter jusqu'à ce que la paix rentre dans le royaume. Ayons juste nos apaisements. Ok. Chinedu. Passe ici. Enlève cette merde sur la route, putain. Bonjour Nicolas. Bonjour mon prince. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci mon prince. Ah, t'as l'air élégant. Merci. Mais le problème c'est tes chaussures. Mais t'en fais pas. Deux semaines avant mon intronisation, vous aurez tous de nouvelles chaussures. Merci mon prince. Ça va. Merci. Tout va bien?
t'a payé lourdement pour me faire un travail. Sais-tu ce que ça veut dire de me décevoir? Sais-tu ce que ça veut dire de décevoir le prince Arise? Jago, fuis pour sauver ta vie. Tu m'as entendu? Fuis pour sauver ta vie. Tu attends ici, me regarde. Je suis désolé, mon prince. Qu'est-ce que tu feras encore ici? Qu'est-ce que tu feras encore ici? Ce bâtard t'a attaqué? Dis-moi, il t'a vraiment attaqué? Chinedu t'a attaqué? Espèce de vaurien! Cette espèce d'idiot! Oh. Ses pouvoirs commencent à dépasser mon imagination. Comment a-t-il osé? Chinedu. Chinedu. Si tu ne paies pas chèrement avec ta vie, alors appelle-moi un bâtard! Ça suffit. Je vous dis, franchement, j'en ai marre. Ce garçon est très arrogant. C'est un très mauvais. Très arrogant. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, mes anciens. Hein? Il n'y a rien à s'enflammer ici. On s'attendait à ce qui s'est passé. Nous avons tous connu le prince Arenze comme un jeune homme arrogant qui n'a ni de considération pour nos rites ni pour nos lois. Oh non, on doit te blâmer aussi pour ce qui s'est passé. Tu dis quoi? Ferme ta bouche si tu n'as rien à dire. Ah ah, pourquoi veux-tu blâmer Oh non? Qu'est-ce qu'il a fait? Viens, ne me dis pas de fermer ma bouche. Ne me dis pas de fermer ma bouche. Tu ne serais pas assis ici si on avait tiré sur l'un d'entre nous. Nous sommes tous là. Hein? On n'a tiré sur personne. Alors, nous devons chercher la solution. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Hein? Tu suggères quoi? Avant de blâmer qui que ce soit ici. Vas-y. Je propose que nous invitions ces deux jeunes hommes pour les aider à se comprendre l'un l'autre. Inviter qui? Regarde-toi. Ichie Chukuma, inviter qui? Essaies-tu de dire que tu n'as rien appris de la dernière participation de Prince Arenze dans notre réunion? Je suggère qu'on avance et qu'on couronne Chinedu comme roi. Comme ça, Arenze saura qu'il a perdu la bataille. C'est ça. Ah, imaginez celui qui se fait appeler notre futur roi, qui nous envoie des criminels qui nous ont fait courir. Djagam. Hein? Imaginez ça. Hein? Il ne peut pas être notre roi. On ne va pas le couronner. Es-tu prêt, fils? J'étais né prêt. Mon père ne m'a pas élevé pour échouer. Les anciens se sont alignés sur lui. Ils font le plan de me retirer le trône. Ça ne va pas arriver. Il doit partir. Es-tu sérieuse? Très sérieuse. Il doit aller pour assurer protection sur tout ce qui nous revient de droit. N'ose pas fermer l'œil, même pendant 2 minutes. Thank you.
puisse t'aider? Entre dans la voiture. Quelqu'un est venu vous voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous avez travaillé ensemble dans le passé. Quel est son nom? Monsieur Peter Oli. Est-ce que tu l'as fouillé? Oui, bien sûr. Et? Il est clean. Fais-lui entrer. Bien reçu. Pour toi. Je suis venu vous donner une information très importante. Ono vient d'être enlevé. Quand cela s'est-il passé? Cela n'est pas important. Je pense que vous êtes le vrai roi du royaume d'ici à là. Et vous avez un très bon cœur. Ce trône vous appartient. C'est vous l'héritier de ce trône. Le prince Erendé ne mérite en aucun cas ce trône. Dites-moi, vous rappelez-vous du cousin de votre père? Je vois. Ça fait longtemps et je ne pense pas que je peux bien me rappeler. Où est Ono? Il est certainement quelque part dans la forêt. Le prince Erendé veut le tuer. Voici ici, le grand Ono. Je vois. J'espère que tu as aimé mon hospitalité. Qu'est-ce que ceci veut dire, prince Arendé? Je demande d'être libéré immédiatement. Oh, s'il te plaît, Ono, peux-tu fermer ta bouche? Penses-tu que c'est l'une des réunions du cabinet où tu prends des décisions? J'ai demandé à mes garçons de t'amener ici. Je prends des décisions ici. Alors, que penses-tu gagner en me retenant ici contre ma propre volonté? Oh non. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? J'ai été gentil envers toi. Pourquoi as-tu décidé de donner ce qui m'appartient légitimement à Chinedu contre une somme insignifiante? Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, prince Arendé. Étant au nom de ce royaume, j'ai bien servi avec honnêteté et fierté. Je n'ai fait rien de mal. Tu feras
regarde-moi le roi du royaume du ciel. Cela est impossible. Tu n'es pas celui qui a été choisi. Alors tu feras de moi le choisi. Et si je refuse? Laisse-le partir, Wilbur. Ah! Jette ça. Bouge. Tu m'as défié. Tu m'as défié. Je vais serrer tes os. Je vais t'arracher la vie. Je ne sais pas de qui tu te moques. C'est de Arisé que tu es en train de te moquer. Fils, comment tu peux permettre que les choses s'effacent de cette façon? Lui, il était notre seul obstacle pour accéder au trône. Chinedu est notre obstacle. Ne vois-tu pas qu'il essaie ardemment de gagner le royaume entier? Je m'en fous des liens du sang. Chinedu doit payer chèrement pour toutes les peines qu'il m'a causées. Apaise-toi, fils. Nous devons trouver comment détourner ce défi. Ce n'est pas le moment de me calmer. Je vais récupérer mon trône. Même si ça te demande du remboursement. Tu es éveillé jusqu'à cette heure. Je me dis que si tu es debout jusqu'à cette heure, donc ça ne va pas. Tu as raison. Toute ma tête est bouleversée en ce moment. J'essaie de trouver une solution à cette situation. Bébé, je t'en prie, on y va au lit. Tu sais que demain sera très chargé. Ok, merci d'être toujours à mes côtés. Viens avec moi, bébé. D'accord, mais je dois prendre ça d'abord. T'inquiète pas, ma belle, je te tiendrai au courant. Dès que je serai là-bas, je t'en donnerai. Oh, merci beaucoup. Tu es tellement gentille. La fois passée, toi aussi, tu m'avais donné un présent. Alors, ça sera pour moi une façon de te remercier. J'ai aimé cette bague. Sérieux? Et en quelle couleur? Rose, la couleur rouge. Ok, chérie, je suis prêt. On peut partir? Faut pas qu'elle te manque. Fais très attention. D'accord.
Prenez bien soin de vous-même. On sort avec la blanche, non? La blanche. Allez, fais sortir ça. J'ai besoin d'une explication pour ça. Ça, c'est tout ce que tu as dépensé sur la boisson, les hôtels. Hein? Oh Dieu, aie pitié. Arenze, qu'est-ce que tu faisais dans la compagnie de ton père comme CEO? Honnêtement, mère, je ne sais pour quelle raison tu me dis ces choses. Excuse-moi? Ouais. C'est des dépenses qui concernent la compagnie. Ces choses arrivent dans tout établissement et vous devez le savoir. Peux-tu garder silence? À qui est-ce que tu veux mentir? Fils, je suis ta mère. Ton père a commencé ce business avec un rien pour que ça devienne une entreprise réputée comme aujourd'hui. Et tu as tout gâché. Mère, je peux m'expliquer. Ferme-la! C'est fini avec toi. Disparais de ma présence. Honnêtement, mère, je ne comprends pas pourquoi tu veux faire des palabres. Ouais. Je te dis que je peux m'expliquer. Je peux expliquer cette... Ferme ta bouche. Sors d'ici. Je ne sais pas pourquoi tu fais des palabres. C'est ton argent? Ou bien c'est l'argent de ton père?
Non, ça ce n'est pas possible. Pourquoi tu n'es pas de bonne humeur? Maman, je suis fatiguée de tout. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu attends ici? Tu te crois être dans une salle de théâtre folle. Ça veut dire quoi que tu es fatiguée de tout? Maman, je n'ai jamais été humiliée de la sorte où on me l'a fait aujourd'hui. En tout cas, c'est énorme pour moi. Vous êtes arrivée au point de vous battre? Ça devait même être ça. Qu'autre chose. Et c'est quoi le problème? Maman, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Amaka! Amaka! Tu es là? Amaka! Hey. Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Devine quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Juste devine. Oh, arrête, tu es tellement excitée. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis très, très contente. Amaka, Chine et tout m'a demandé en mariage. Oh mon Dieu! Peux-tu imaginer? Vraiment, félicitations! Merci! Oh, je suis Merci. Contente pour toi. C'est moi, Madame Chinedou. Finalement, tu deviens ma belle-sœur. Ne me dis surtout pas que tu le savais depuis tout ce temps. Arrête, je me suis mis au four et au moulin pour que cela devienne une réalité. C'est vrai. Je suis très contente pour toi. Oh mon Dieu. Tu sais combien j'aime Chinedou. Je Ma sais. Belle. Je sais. Laisse voir. Tu wow. sais au moins qu'on doit très bien préparer ça. Bien sûr que oui. Nous devons faire une préparation très énorme. C'est en diamant. C'est très joli. J'ai échoué dans l'éducation de notre fils. Il était censé suivre tes pas. Mais il est allé à côté. Je suis tellement confuse et je ne sais quoi faire. Chérie, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Tu ne peux pas me quitter comme ça. Je suis ton mari. Je suis ton mari. Tu ne peux pas quitter ce mariage. Écoute, tu vas être une reine. S'il te plaît, Aroise, qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
Alors à propos de tes mensonges, une vie de mensonges, pourquoi d'abord j'avais accepté d'être ta femme en premier lieu? Écoute, je sais que je t'ai offensé, je sais que j'ai tort, mais je suis désolé. Honnêtement, je suis désolé. Je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé. Ok, je suis désolé. Tu es désolé? Tu n'avais pas pensé à propos quand tu laissais masser par une fille? Tu n'avais pas pensé à ça, n'est-ce pas? Aroise, tu es vraiment éhontée. Tu es vraiment le déshonneur de ce royaume. Tu ne mérites pas être roi. T'as dit quoi? Tu m'as entendu. Tu ne l'as pas? Pour qui me prends-tu? Pour qui vraiment tu me prends? Tu me prends pour ta poupée? Ou bien pour des filles avec lesquelles tu joues à tout moment? À cause de ta royauté, alors tu te permets de jouer avec n'importe quelle fille? Tu es vraiment un déshonneur. Écoute, tu es mon amour, mon battement de cœur, mon ami, ma reine. S'il te plaît, du fond de ton cœur, pardonne-moi. C'est quoi ça? S'il te plaît, je l'ai entendu de toi. Ça doit être un jeu. Ouais, monsieur Awenze, le roi en devenir. C'est fini. Je ne peux plus. N'ose pas, monsieur, parce que si tu le fais, tu seras humilié. Bonjour, maman. Maman. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? J'aimerais discuter avec toi. Maman, j'aimerais que tu essaies de mettre un tout petit peu de l'eau dans le vin dans ces problèmes. Maman, nous sommes une famille. Cette haine doit s'arrêter, maman. Ce n'est pas bien. Cette guerre. La haine. On ne se soucie plus les uns des autres. Maman, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi de comment on vivait avant. Juste à cause de la royauté. Maman, j'attends de toi une réaction. Le Dieu a choisi Chinedu comme roi. Maman, laisse que ce soit ainsi. Je t'en prie, laisse tomber cette guerre avant que tu n'échoues. Je veux dire, laisse régner la paix dans la famille. S'il te plaît, maman, cause avec Arinze. Je t'en prie. Tu as fini? Oui, maman. Es-tu sûre de finir? Tu veux qu'Arinze passe à côté? Vraiment? Sors de cet endroit. Ferme-moi la porte derrière toi. Non, 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 non
Kpatara n'aka nwata kụrụ n'okwute ka ọ na-edebe n'isi. Maka na nwoke ọbụla na-anyụ mamịrị kpa ụfọ n'aka. O bu ebu n'ihe erike. Mana nwatachi n'ihe nna ya ụkwụ enu, gịnị eme? Nwe si Ekene dịrị nwoke nọ n'elu na-akwụ ose. Ekene dịrịkwa nwaanyị nọ n'ala na-analụ ha na-enye enu. Olowu! 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 Ọkanga! A sị m na ihe anyị na-achọ n'isi ala anyị ga-enwetezu ya. Ise! Ama mgbulie mmadụ. Ama njeli agha. Ma nnụli ọgụ. Isi mkpu unu ya dị. Ise! Ejezie unu ya dị. Ise! Isi ama unu ya dị o. Ise! Isi eke unu ya dị. Ise! Ọnụ ọmụma unu ya dịkwuo. Ise! Uwe si na isi ala niile ya dị nụ. Ise! Awọkwanụ mmadụ. Ono m! Ono m! Kama ojuru ụlọ. Ọkwa ya? Ee, ụmụnna ọjị agbọkwa n'ịnụ. Ee, afịa n'anọ ọ bụ n'anọ. Ọkwa na ya? Ndị mbụ na ndị ekike na-enu nke unu. Ewuru m ọjị ha nchebakwana oke oke ka mma ewu. Ngwa ọnụ ọmụma ụwa ji ọjị dị ya. A sị na ọjị ezu bụ na mba adịrọ. Ndị iche. Cha-cha-cha-cha! Isi ala kwenu! Isi ala kwenu! Ça a toujours été notre tradition. Chaque clan contribuera pour le succès de l'intronisation. Il y a des clans qui ne se font jamais voir. Mon ami Diche, on doit appeler les chats par son nom. Le clan qui ne va pas contribuer ne fera pas partie du cabinet du roi. Exactement. Je pense que je suis clair. Laissez-moi intervenir. Diche, Kwenu. 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 Ok. Merci. Premièrement, permettez-moi de vous remercier de votre soutien jusqu'à présent. Vous avez montré tant d'intérêt pour les choses qui ont à voir avec moi, ma famille et mon couronnement. Pour cela, je suis très reconnaissant. Oui. Et je vous dis merci. Concernant la question de la contribution, je ne pense pas que je voudrais qu'un des clans contribue. Oui. Je ne souhaiterais pas ça. Je sais que les gens traversent beaucoup de choses. Les demander de contribuer pour mon couronnement, on aura l'impression que je ne suis pas préparé et que je ne peux pas gérer le couronnement. Ce qui n'est pas vrai. Vous êtes tous à moi.
Donc, vous n'avez rien à craindre. Oui, simplement, il faut donc lister tout ce qu'on utilisera et le prix. Envoyez-moi ça. Je vais tout vous fournir. Ce sera fait. Les anciens de notre terre, je vous salue tous. Je sais que le tempérament continue d'être chaud. Et je sais que quelques-uns parmi vous sont même prêts à me ligoter pour me mettre hors de votre présence. Et je crois que ça ne sera pas nécessaire, parce que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je suis venue vous informer que je me suis mis d'accord du choix de Dieu pour le prochain roi. Ce n'est pas nécessaire de combattre les décisions de Dieu. Chinedu. Hein? N'hésite pas de m'approcher pour n'importe quelle assistance. Je te souhaite bonne chance, maintenant que tu seras établi dans ta position de roi. Merci. Merci beaucoup, mes anciens, pour ce temps que vous m'avez accordé. Ok, non, merci. Mmh. Merci. C'est pas grave, merci. Mais oui. Tu es tellement amusant. Merci pour cette occasion. Tu as réussi à m'arracher le sourire. Vraiment, merci de m'accorder cette sortie avec votre emploi du temps qui est compliqué. Je ne veux pas que tu en dises plus. Regarde, Amata. Nous nous sommes connectés de manière très spéciale. Notre synergie est liée. Tu y es un passage spécial. Merci beaucoup. Je me sens tellement confortable. Merci. Alors dis-moi, quand est-ce que tu voyages et à quand sera ton retour? Je répondrai à ça. Mais ça, c'est une sortie. Mangeons d'abord. Arrête! Juste dis-moi, je veux entendre ça. Mère, pourquoi as-tu pris une telle décision sans demander mon avis? Et alors, pourquoi je dois informer un drogueur qui n'a rien de bon à offrir? Arezé, tu es passé à côté de ce qui était prévu pour toi. Je ne suis plus un enfant. Je sais ce qui est meilleur pour moi. Je ne pense pas, fils. Tu as oublié qui tu es et maintenant tu es devenu un sujet de moquerie. Tu sais quoi? J'ai enlevé mes mains dans tout ce que je pouvais donner comme soutien pour que tu deviennes roi. J'ai jeté l'éponge. Je m'en fous. Regarde-moi. Comme telle est ta décision. Suis-les. Rejoins-les. Je ne suis plus intéressé en le trône. Réduis-le en cendres si vous voulez. Alors sache qu'il n'est pas là. Amaka, pourquoi d'abord ne pas m'écouter? Je suis pas venue voir ton frère. C'est toi que je suis venue voir. Tu veux que je t'apprête mes oreilles? Je me rappelle des jours où j'ai sangloté pour votre attention. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu as craché sur moi, me qualifiant de tout le nom du monde. Et maintenant, tu es là, tu demandes mon attention. S'il te plaît, je suis désolée. Je sais que je t'avais vraiment maltraité. Je voulais juste exercer mon autorité, s'il te plaît. Et en le faisant, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai perdu un œil.
Pour ça, je suis désolée. Pardon. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Peu importe ce qui nous est arrivé, tu es toujours ma famille. Je t'en prie. S'il te plaît. Je t'en prie. Pardonne-moi. S'il te plaît. Pitié. Je t'en prie. Désolée. Je te promets que ça ne va plus jamais se répéter. Jamais. D'emballer tes affaires. C'est comme si tu es la seule personne dans ce palais qui ne connaît pas la nouvelle. Ce n'est pas une réponse à ma question. Pourquoi emballes-tu tes affaires? Lukaku est revenu. Oh, qui est Lukaku? Mon fiancé, le gars dont je t'avais parlé autrefois. Il est finalement revenu pour faire de moi la reine de son royaume. Il revient, il va m'acheter plein de trucs, entre autres une voiture. Alors voilà pourquoi je fais mes bagages. Apprête-toi parce que la prochaine fois que tu me verras, tu supplieras d'être ma servante. Dans ces palais, les bateaux sont en train de chavirer. Mais Dieu merci, de mon côté, les choses ne font qu'avancer. Je m'en vais. Alors s'il ne vient pas? J'ai mon plan B et je sais ce que je ferai. C'est quoi ce plan B? J'irai chez Amaka et j'irai travailler là-bas, dans leur maison. Évidemment, c'est Chinubu le roi, choisi par les dieux. Amaka que tu avais maltraité ici. Hein? Hé! Hey! Chineke. Tu es malade. C'est quoi ton hein? problème? Hein? Tu veux rester pauvre tout le restant de ta vie? Et sais-tu pas que les gens ont toujours un plan A, B, C, D, E? Si par-ci ça ne tient pas de l'autre côté, ça va marcher? Reste là avec cette attitude innocente. L'innocence ne paye pas. Si tu crois que je mens, va demander. Innocent, tout fait si dit bien. Il t'en dira plus. T'as intérêt à ouvrir les yeux. Sinon, c'est ton problème. Je vous salue. Oh, merci. 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 Chinedu, on était en train de t'attendre. Je croyais peut-être que tu n'allais plus participer à la réunion. Oh, bien sûr que je ne la manquerai pour rien au monde. C'est que j'ai cet truc à arranger à l'intérieur. Mais je suis ici maintenant, donc passons aux choses sérieuses. Oui. Yuk. Boss. Apporte l'argent. Voici 2 millions de Nera. Ouais, je veux que vous partagiez cet argent entre les 5 clans qui fondent notre communauté. Ouais, ça doit être partagé équitablement. Qu'il utilise cet argent pour se préparer pour mon couronnement. Aïe! T'es vraiment prêt? L'homme en question. L'homme très spécial. ça va maintenant. En tout cas, merci beaucoup, Chinedu. Pour ces 2 millions de naira.
Si vous avez besoin de plus, faites-le moi savoir. Vous avez vu maintenant, donc l'intronisation est déjà faite. N'est-ce pas? Et tiens, Dukon, s'il te plaît, prends l'argent, oui. Et tiens, Bamano, attends. Ah, ah, tu l'as entendu. Il y a quoi même? Ça, c'est pour les clans. Uh-huh. Ton tour arrivera. Je vais seulement les toucher au Nohu. Et tiens, Bamano, s'il te plaît, assieds-toi. Et tiens, Chikonwa, c'est toi le stratège royal. Alors, ouais, rassure-toi que cet argent subisse un partage équitable. Pas de problème. Je vais en prendre soin. Amaka, hein? Cette couleur me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est assorti avec les chaussures qu'on avait achetées hier. Hein? Oui. Montre. Oui, tu as raison. Ces bleus brillent un peu. Mm-hmm. Ça va aller avec les chaussures. Mm. Mm. Je n'arrive pas à réaliser que c'est moi la prochaine reine du royaume d'Insiala. C'est à moi que tu dois féliciter. Oui. Maintenant, je suis royale. Oui. Ah, mon Dieu, je suis contente. Ça me rappelle une chose. Qu'est-ce qui est arrivé à Eze? Oh, Eze, il a voyagé. Il est allé à UK. Il a une urgence là-bas. Ah. Mais il va revenir bientôt. Une urgence de travail? Yeah. Cela veut dire qu'il n'assistera pas au couronnement. Mm-hmm, je crois. Mais je vais l'appeler quand même. Ok. Mm-hmm. Très bien. Ça, c'est très joli. Je vais aussi le prendre. Mm-hmm. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et je crois que la couleur verte va vraiment se marier. Ça va aller avec cette couleur aussi. Ça sera joli. Prends ton habit. Oui. Ça, c'est pour moi. Aujourd'hui est le jour qu'on a attendu pendant si longtemps. Ouais, oh no. Aujourd'hui, le grand trône du royaume de Isiala aura un roi qui va y siéger. Aujourd'hui est un nouveau commencement. Un commencement de prospérité et de paix. Le peuple de Isiala, ton développement est arrivé. Isé. Tchinedou. Oh no. Lève-toi et agenouille-toi. Porte ça. Traditionnel établi en moi comme au Nohu de ce royaume. Aujourd'hui, je te couronne et te baptise Akadioba. Arrêtez! Ce n'est pas lui l'héritier du trône. Quelle est cette foule? Wanyeke, ce n'est pas vrai. Oui! Je suis revenue avec mon fils. Le fils est né de Chef Udoka, Akadjova. C'est une confusion, ça. Wanyeke, on t'avait déjà oublié et ton fils. Ton mari t'avait cherché, et Richard, pendant 3 ans avant d'épouser une autre femme. Oh non, je n'avais pas un moyen de communication. On m'a accusé forcément d'avoir tué un homme. Et c'est pourquoi j'étais mise en prison.
Et je savais qu'un jour, la vérité allait finir par triompher. J'ai vécu dans la peine pendant beaucoup de périodes. J'ai tant souffert que vous ne pouvez imaginer. Une absurdité totale. Tu vivras plus mal au moment où je vais te faire retourner en prison. Bêtise. Ça, c'est du mensonge pur. Une absurdité totale. Tu penses que tu peux me décevoir? Pas possible. Où étais-tu durant tout ce temps? Hein? Quand j'étais petit, mon père ne m'a jamais parlé de vous. Hein? Donc, où étiez-vous? Et maintenant, je suis devenu un homme adulte. Où étiez-vous durant tout ce temps? Ça, c'est du mensonge pur. Et je ne refuse pas ça. J'étais occupé avec mon fils. Après beaucoup d'années, j'étais au point de désespérer. Avant un groupe de droits de l'homme, je viens jusqu'à ma cellule et plaider pour ma liberté. Proche de mon père avant sa mort. Je vous fais confiance. Je crois que vous ne me mentirez jamais. S'agit-il d'un complot? Non, mon prince. Wanyeke est la première femme de ton père. Et celui qui est assis ici, c'est ton grand frère, Richard. T'ai-je entendu parler de complot? Bien, pour ton information, rentrez à la maison, dans ma famille. Auprès des miens, je veux dire, au palais royal, avec ma mère, ça a plus de valeur. Je veux dire, c'est plus important pour moi. J'aurais souhaité que mon père soit là pour célébrer son fils, pour célébrer le trône. Tu n'es d'où? Tu n'es d'où? Si tu veux savoir, je ne suis pas intéressé au trône. Tu peux avoir le trône. Tu as tout mon soutien et mon accompagnement. Mon frère, félicitations. Oh,